Hey, salut à tous, aujourd'hui on se trouve sur GTA pour enfin la phase finale du braquage quoi, enfin la phase finale de la préparation, donc le braquage. Donc la partie 4 de ce DLC, vous retrouverez sur ma chaîne les trois premières parties, donc, comme ça vous verrez chaque truc en détail. Donc là c'est le premier braquage, donc évidemment il y aura des braquages à chaque fois avec un niveau de difficulté qui va augmenter, donc avec des autres préparations à faire, vous inquiétez pas, ça sera sur la chaîne. Donc là voilà, on va se diriger tranquillement, donc bon, tue les mecs, direction la chambre forte, hein, parce que c'est quand même ça le truc de base, sinon ça sert à rien de faire le braquage. Donc après évidemment ne pas oublier Annexed, les missions Annexed, de remplir ses poches, enfin son sac plutôt, avec tout ce qu'on a repéré en amont. Donc voilà, tout ce qui est drogue, argent, voilà, ça logique, pour surtout pas repartir avec un sac vide, ça serait quand même malheureux. Donc ça voilà, un truc à pas oublier. Donc après bah là par exemple on rentre tranquillement, on prend la petite carte, ensuite on regarde un petit peu partout, hein. De toute façon faut fouiller. Donc nous on a pris une approche par les airs, voilà, on a sauté en parachute, j'ai récupéré le grappin dès le début, parce que bah vu que c'est moi l'hôte, c'est moi qui a lancé le truc, donc je savais où c'était. Donc du coup je suis allé récupérer directement, voilà, là vous voyez par exemple je mets des gilets, bon c'est une astuce que tout le monde connaît, mais je préfère le dire, de tout le temps partir avec beaucoup de gilets, beaucoup d'encas, pour être sûr de pas arriver bah, à un moment et puis de se faire tuer bêtement, alors qu'on aurait pu recharger sa vie une quinzaine de fois. Donc voilà, même des fois vous verrez, je laisse le menu interaction ouvert carrément pour pouvoir cliquer dessus sans arrêt, et du coup on peut quand même se faire tuer, mais c'est quand même, là, faut vraiment être mauvais, parce que si on a le menu ouvert et qu'on clique dessus, normalement c'est d'affilée, ça se fait vachement bien. Donc là pareil, faut synchro les cartes en même temps, donc je me mets, on appuie croix en même temps, tac, ça y a rien de compliqué, voilà. Les trucs biométriques c'était un petit peu plus dur, donc voilà, ça c'est vrai que c'est un petit peu plus chaud. Donc là au niveau des trucs, voilà les tableaux, donc moi je vais plus avoir de place parce que du coup je vais prendre les lingots d'or, donc je vais plus avoir de place en fait, je vais le full, donc du coup le tableau c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, et moi après je vais récupérer aussi d'autres lingots, donc on va repartir quand même avec des sacs à trois quarts pleins. Bon c'est pas le top du top, on aurait pu faire encore mieux, mais bon voilà, comme premier braquage, premier essai, on va dire que voilà, ça se passe quand même plutôt bien. J'étais bien entouré quand même, avec une bonne équipe qui savait quoi faire, qui savait où tourner, où prendre les décisions à chaque insertion, qui savait bah voilà, vaut mieux passer par là, par là. On n'a pas eu d'attente pour rien, on a vraiment avancé à chaque fois assez rapidement, chacun faisait son petit travail, on était bien groupés, voilà, bon, on a tous des bons niveaux de tir, donc ça fait pas trop de, c'est pas trop dur non plus. Bon après on s'est fait repérer, c'est un peu le seul regret que j'aurais. J'aurais bien voulu qu'on fasse la mission en mode pas repérer, et puis ça aurait été stylé. C'est vrai que ça aurait été stylé, mais bon, on n'y peut rien, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc là voilà, donc les sacs, bon les mecs sont déjà en train de remplir, donc j'avais rien à faire ici. Donc bon bah du coup on va rebouger, et puis bah là il me laisse un petit peu de lingots, donc du coup bah moi voilà, je vais prendre ce qui reste, hein, tant qu'à faire, hein, on veut pas s'en priver. Voilà, au moins essayer de rentabiliser un petit peu, parce que vu tout ce que j'ai eu à payer pour arriver à lancer ce braquage, les frais, tout ça et tout, faut quand même pouvoir se rembourser un minimum. Bon évidemment, voilà, c'est plus pour le défi que pour l'argent que je le fais, mais c'est quand même sympa de pouvoir avoir un petit peu de pognon en plus. Donc là, je pars. Donc après, je sais pas s'ils voyaient pas qu'il y avait le coin à droite pour y aller, du coup, il fallait qu'ils me rejoignent, donc ils ont un petit peu galéré, du coup, qui va se faire tuer, on va finir à deux. Donc après c'est pas très grave, hein. Je pense que voilà, ils voulaient essayer de se remplir les poches un peu plus, puis ils voyaient peut-être pas que le grappin était ici, puis je suis le seul à l'avoir le grappin, donc en même temps ils pouvaient pas le savoir. Donc là bon, ils vont arriver tranquillement, voilà, et puis du coup comme on peut voir, on va pouvoir monter. Donc lui il va se faire tuer juste là, on le voit, paf, voilà, j'ai mis au ralenti, il s'est fait tuer. Donc, on va finir à deux, bon, ça va se faire quand même, mais ça aurait été plus sympa de le faire à plusieurs quand même, hein, ça c'est sûr. Mais bon voilà, on a perdu déjà le premier, après le deuxième, donc du coup on a fini à deux. Mon petite cinématique où on est à trois, ça me fait assez marrer ça. Donc voilà, donc on va monter tranquillement avec le grappin. Le coup du grappin c'est quand même bien, vaut mieux utiliser le grappin si on veut être discret. Après je sais que nous on n'y est pas arrivé, mais vaut mieux être discret, parce que si on fait péter la porte dès le début, bah là du coup il n'y a plus de discrétion, plus rien. Donc vaut mieux tenter l'approche avec le grappin. Après faut-il l'avoir repéré, ce fameux grappin, sinon ça marche pas trop. Donc là on est deux, l'autre il vient de disparaître, hein, parce que il était pas là, il était en trop comme on dit. Donc là voilà, donc petite astuce, voilà, l'hélico qui vous tend les bras, bah allez-y pas, hein, voilà, si vous, de toute façon l'approche que vous avez cliqué, il n'y avait pas marqué la fuite en hélico, donc c'est impossible que l'hélico marche. Donc voilà, c'est pour ça, vous prenez des véhicules, vous barrez, de toute façon vous avez votre point, donc le mieux, bah moi quand je suis passager, c'est de mettre le point tout de suite à la personne. Vous avez vu, au passage on aurait pu s'arrêter et prendre du cannabis par exemple, vous voyez, mais bon, moi je voulais assurer le braquage, parce que trouver une bonne équipe c'est quand même assez dur, hein, je vais pas vous mentir, j'ai passé les trois quarts de la soirée à tomber sur des branleurs qui savent pas tenir leur poste, qui ont jamais tenu une arme dans
dans le jeu. Donc c'est assez dur. Que là, voilà, une équipe vraiment soudée, des bons gars et tout. Donc vraiment un bijou. Surtout qu'ils n'étaient pas français. Donc avec le micro, il a fallu que je bataille avec mon niveau d'anglais assez médiocre. Mais bon, principal, c'est qu'ils m'ont bien compris. De toute façon, il fallait me suivre. Hein, c'était pas compliqué. Et puis, bah, quand c'était eux qui géraient, c'est moi qui suivais. Parce que je pense qu'il faut faire comme ça. Donc là, voilà, je vais prendre le bateau. On va y aller. Donc là, une fois de plus, je me répète un petit peu. Mais oubliez pas les encas, putain de bordel. C'est voilà, jouer sans encas ou sans machin, c'est, enfin, c'est vouloir mourir, quoi, comme je dis. C'est vraiment, pensez-y à toujours avoir votre menu interaction. Voilà, limite, petite astuce de ma part. Quand on prend les encas, on voit le personnage qui mange et du coup on perd du temps, ça peut être chiant. Mais petite astuce de ma part, c'est que ne vous faites pas chier. Si jamais vous êtes en train d'utiliser les encas et que vous êtes en train de viser avec votre personnage, les encas vont s'additionner tout seuls sans qu'il les mange, il n'y aura pas d'animation. Donc votre vie va se recharger à l'instant, enfin je veux dire en même temps. Ça veut dire vous êtes en train de viser, vous prenez une balle, vous appuyez sur croix, hop, ça recharge votre vie. Donc ça c'est quand même très pratique et du coup bah, vous serez toujours full. Vous pouvez quand même mourir, hein. Ça veut pas dire que c'est cheat, mais je veux dire si vous êtes rapide avec le menu interaction, ça peut être pas mal. Et sinon, même de laisser le menu carrément ouvert. Donc là on a fini, je vous laisse avec la cinématique et on se retrouve après. Ok, you're good to go. Hey, you made it. Hope everything went to plan. Mr. Madrazo only got back from the club a few hours ago. I probably set a new record for overtime. Yeah, we're good here. Look at this. The perfect end to a party. The survivors. You've been going pretty hard, huh? It's been emotional. Why don't you sit down and stop making a fool of yourself, Evan? I don't even know who she is. We spent a week together in Tulum, asshole. Come on, let's go sit over here. Fuck. Come, sit. So, success? Thank fuck. Excellent. Fucking wait till my dad hears about this. Hey, Dad. Yeah, no, this'll be quick. Just wanted to let you know that Strickler thing, the files, yeah, I did it. No, they're in my hand. Took care of it. It's done. Yes. So you know what? I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that crypto deal or that condo project that I mentioned, remember? Dad, hello? The service here, it's just fucking third world, you know? So, where were we? Yes, payment. Right. I gave them the money. Yes, sir. Okay, and now that you know the drill, I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some big man. Clean him the fuck out. You could bring anything to Jorge here. He'll fence it for you, no questions asked. You got it. El Rubio's recurring fucking nightmare. I love it. I don't even know if I want to look at these. Excuse me. No. Ugh. What can I get you? Some fresh OJ? Coconut water? Oh, no, thanks. Nah. Really don't want to go, but... No! Life. Shit! Fuck! I love you guys so much. You're hardcore, Mrs. M. Wild night. I'm gonna Let's miss do it again you. Sometime. Bye. Bye. Darling, so what is it? It's nothing now. Hmm? Nothing at all. It's over. Thank you. This means a lot. Come on. The least we can do is offer you some champagne. And then I think I need to sleep for a week.
Donc là voilà, on arrive à la fin. Donc là, je vais répondre à quelques questions parce que c'est vrai qu'on se demandait pourquoi on gagnait telle somme ou telle somme. Faut pas oublier un truc, c'est qu'on a 1 million pour les trucs principaux et le reste pour les trucs secondaires, 1 million 1. Donc après, on reçoit donc 100 000 et pas 1 million, on reçoit donc 100 000 comme on peut le voir ici et on doit avoir les 1 million plus que là vous voyez en haut à droite dans le truc de préparation là sur quand on lance le braquage, moi quand je l'ai lancé, je voyais ça. Donc on a bien 1 million et en plus on a les trucs secondaires. Donc là moi j'ai pas fait les 3 millions en dessous que vous voyez, mais les 1 million qui est au-dessus sont donc de base. Donc ça faut pas oublier. C'est vraiment deux trucs différents et après il y a ce qu'on prend comme drogue et tout. Donc voilà pour rectifier cette petite chose. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai précisé assez de trucs, comme ça vous pourrez me poser d'autres questions dans les commentaires si vous voulez. Évidemment, je ferai les autres parties du braquage, mais bon, vu que je l'ai fait que en tant que hôte, parce que j'ai pas envie d'être invité, je vois pas trop l'intérêt, donc du coup, vu que je l'ai fait que en tant que hôte, et ben, il faut que je les prépare. Donc, laissez-moi un peu de temps et je vous mettrai ça d'affilée. De toute façon, vous pouvez voir sur la chaîne déjà d'autres vidéos que j'ai fait. Voilà, c'est la fin de la vidéo, moi je vous laisse et je vous dis bye.